J'ai décidé en tant que journaliste de m'attacher au portrait de ceux qui font des choses formidables et que j'appelle des héros anonymes. En tout cas, donc, ça s'appelle les héros Imagine dans le projet Imagine. Donc véritablement faire le portrait de ceux qui aident, de ceux qui aiment. Pour parler du meilleur, là où pratiquement tout le monde parle toujours du pire. Le projet Imagine, c'est véritablement mettre en lumière tout ce qui peut nous aider à bâtir un monde meilleur. Bâtissons le meilleur ensemble. Ça, c'est un vrai projet politique. Le projet Imagine a été mis en ligne en mars 2010. L'idée de le faire sur Internet et non pas d'aller le proposer à des chaînes pour le produire et directement être à la télé, c'est parce que je me disais que l'aspect commercial de la télévision fait que c'est très difficile de mener un projet totalement authentique. Je voulais que ce soit un projet philanthropique. Je voulais véritablement créer un cercle vertueux, c'est-à-dire d'un côté, on communique sur ce qu'il y a de meilleur, en redonnant de l'espoir aux gens, en leur donnant envie, eux aussi, d'intégrer l'aventure, de se lancer dans cette aventure du héros, quoi, de se dire « moi aussi je peux faire quelque chose », mais aussi de permettre aux gens de participer de façon très concrète à aider les héros. Donc aider ceux qui aident, parce que les héros sont ceux qui aident, et on va les aider. Et donc il y avait cette idée aussi donc, de pouvoir envoyer des dons pour pouvoir donner des coups de pouce financiers à ces héros qui eux aussi se bagarrent et font avec des bouts de ficelle. Vous montrer en action des personnes qui vivent véritablement l'amour, mais en action. Donc c'est pas du blabla, on refait pas le monde en parole, on montre véritablement des gens qui ont les mains dans le cambouis. En ce moment, je fais une enquête sur l'égalité homme-femme dans le monde en partenariat avec l'ONU. Donc des grands sujets comme ça de société et voir ce qu'on peut dégager comme solution porteuse d'humanité. Et puis, il y a les témoignages hommages, où là, je demande à des stars, des personnalités, je leur demande de partager avec nous un moment de leur vie durant lequel ils se sont retrouvés en position de fragilité et où, heureusement, quelqu'un leur a tendu la main. Et donc, en fait, c'est vraiment cette idée que là, ils ne sont pas là en tant que stars, ils sont là en tant que personnes humaines. Et qu'est-ce que nous avons tous en commun en tant qu'êtres humains? C'est notre fragilité. Donc, c'est un vrai exercice de simplicité, d'humilité et de partage, là encore. Et du coup, c'est intéressant parce qu'en miroir de nos portraits de héros, ça montre, c'est l'éloge du moindre geste. C'est-à-dire que nos héros sont tellement formidables, ils ne s'appellent pas héros pour rien, que certains se disent « oui, mais là, moi, je suis incapable de faire tant de choses et tout ». Oui, mais parfois, tu vois, même un sourire peut changer le destin de quelqu'un. Donc il y a cette responsabilité du moindre geste. Chaque matin quand tu te lèves et que tu vas sortir de chez toi, qu'est-ce que tu as décidé de faire et de donner autour de toi? Si tu as décidé de faire la gueule, ça va peut-être pas être au top. Les personnes qui regardent ça ont l'espoir qui commence à revivre en elles parce qu'elles découvrent des personnages qui leur ressemblent. Et ils n'ont pas forcément le cerveau d'Einstein, ils n'ont pas forcément le porte-monnaie de Bill Gates, et pourtant ce qu'ils font, ça vaut le coup. Et ça change le monde. Et du coup, voilà, on peut s'identifier. Là, pour le coup, l'effet miroir, il est sympa. Et on peut se dire, mais moi aussi, je peux faire quelque chose. Donc ça, ça fait une télé utile. C'est ce que j'appelle de la télé utile. Une télé qui vous donne envie de vous lever de votre fauteuil plutôt que de vous avachir toujours plus profondément avec des chips et des pop-corns, et puis de vous dire, c'est foutu, rien n'est beau, enfin voilà. On mérite mieux que ça. Je pense qu'on doit être, je sais pas, à 200 000 visions, quelque chose comme ça, quoi. Donc c'est pas énorme du tout, c'est assez petit, surtout quand t'as l'habitude de faire des émissions où tu fais des millions de gens. Et en même temps, on remarque que ce sont des personnes très très variées, donc il y a toute catégorie sociale, il y a tous les âges, donc c'est assez universel comme message. Et en fait, ceux qui tombent sur le projet Imagine, en règle générale, restent fidèles, quoi. Donc il y a un attachement assez sincère, assez fort avec le projet Imagine et ses héros. On doit être maintenant à quelque chose comme 33 ou 34 films qui sont en ligne. On en a encore quelques-uns en magasin à mettre. On est déjà en tournage aussi d'autres films. Pour moi, chaque film, c'est un vrai petit miracle parce qu'encore une fois, c'est véritablement parce qu'il y a des bénévoles qui viennent travailler au projet Imagine. Je trouve que c'est assez énorme. Chacun nous montre qu'il a eu une idée originale, qu'il a pensé autrement et puis qu'il a eu l'énergie, le dynamisme de se lancer dans l'aventure. Et à chaque fois, ça renouvelle nos esprits, ça renouvelle nos inspirations et ça nous dit surtout une seule et même chose sans cesse, c'est le leitmotiv qui revient toujours, c'est que tout est possible.
Et ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Ça vaut le coup de la communiquer au plus grand nombre. Je vais montrer le meilleur. Et le meilleur, c'est quand on décide de mettre ses forces au service de l'autre, de trouver des solutions pour l'autre, de lui tendre la main. Et là, c'est merveilleux. C'est pas du blabla, c'est pas superficiel, c'est pas artificiel surtout. Et donc ça vaut de l'or. Avec la multiplication des chaînes de télévision, des stations de radio, etc., je ne sais pas si vous avez la même sensation que moi, mais moi je trouve qu'il n'y a jamais eu autant de pensées uniques. Donc du coup, on est pris dans un moule comme ça, qui nous formate à croire d'une seule façon, et à avoir l'impression peu à peu qu'il n'y a qu'un seul chemin à arpenter. Tout est fait quand même dans la société d'aujourd'hui pour qu'on reste dans une espèce de train-train, un peu confortable. D'ailleurs, j'ai l'impression que les grandes valeurs d'antan, maintenant, sont mises au profit d'une valeur, le confort. J'ai l'impression que tout le monde cherche ça d'abord et avant tout, la sécurité et le confort. Alors qu'en fait, si on commence à rentrer véritablement dans un truc super plan-plan, on risque carrément de passer à côté de sa vie, parce que c'est quand même pas super... super exaltant, quoi, on va dire. Avant, il n'y avait pas la télé et tout ça, et les gens se racontaient des choses, racontaient des contes et tout, et ils racontaient aussi, ils partageaient leur vie. Et finalement, quand on est avec des amis et qu'on partage nos expériences personnelles, très souvent, c'est source d'inspiration et d'encouragement. Et c'est quelque chose que peu à peu, on perd, parce que finalement, ça devient assez instrumentalisé dans les médias. C'est-à-dire que finalement, on raconte les histoires des gens, mais d'une façon assez instrumentalisée, quoi. C'est assez artificiel, on rajoute des choses. Alors que simplement, le partage tout simple, même de choses qui peuvent paraître anodines, eh bien, souvent sont porteuses de petites perles. Donc c'est important, en fait, en toute simplicité. Si tu regardes tout le discours autour des marchés financiers, c'est très intéressant. Tu regardes aujourd'hui quand même, tous les jours au journal télévisé, on te parle des marchés financiers. Alors que finalement, ça intéresse qui ? Une très petite fange de la population, parce que nous, si tu veux, on ne peut pas y faire grand-chose. Mais pourtant, la façon dont ils t'en parlent, et ils te disent « aujourd'hui, les marchés financiers ont fait un bond, etc. Si on fait comme si, alors il se passera ça. » Mais moi, j'ai l'impression, si tu enlèves le mot « marché financier » et que tu mets Dieu à la place, c'est la même chose. Il y a un côté irrationnel comme ça. Il faudrait faire ça pour que les marchés soient contents. Donc, comme si Dieu devait être content, on va lui faire un sacrifice, machin. Et... tu vois ce que je veux dire ? Il y a un truc très... Donc ça montre bien que voilà qui on a mis à cette place totémique. C'est quand même l'argent. On a une centaine de bénévoles aujourd'hui au projet Imagine. Simplement, ce n'est pas forcément les compétences dont on a besoin. Donc, il y en a beaucoup qui finalement sont sous-utilisés. Il y a aussi le fait que, pour l'instant, je n'ai pas les moyens financiers de pouvoir avoir au moins une petite équipe resserrée avec moi, qui soit là à mi-temps ou à plein temps. Donc, du coup... Même pour faire en sorte d'optimiser les compétences des bénévoles, ça demande une animation de bénévoles, en fait. Donc il faudrait des équipes aussi, même pour ça. C'est-à-dire que, en fait, on est à la limite, on est au moment du passage, c'est-à-dire le moment où le projet Imagine est devenu assez gros, et donc c'est beaucoup, beaucoup de travail et beaucoup aussi d'opportunités qu'il faudrait pouvoir traiter en temps et en heure pour que ça grossisse, et en même temps, on n'a pas assez de moyens financiers pour avoir les équipes qui permettent ça. Donc il faut tenir le coup jusqu'à ce qu'on puisse passer véritablement à une autre échelle. Moi, je suis journaliste depuis une vingtaine d'années, je présente essentiellement des émissions de télévision et de radio. Et en fait, en 2008, alors que j'étais encore à la télévision, régulièrement sur M6, tout ça, j'ai eu une espèce de double déclic, un déclic personnel et puis un déclic professionnel. Le déclic professionnel, c'est de poser un regard critique sur le monde de la télévision d'aujourd'hui. Alors évidemment, je n'ai pas inventé grand-chose en disant que quelque part, les programmes deviennent de plus en plus médiocres. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment réalisé à quel point c'était devenu grave. C'est-à-dire que finalement, on a des programmes qui montrent sans cesse le pire de nous. Ils vont toujours insister sur les trucs les plus affreux, et du coup, sans s'en rendre compte, bien, on grignote l'espérance dans le cœur des gens. Les gens croient véritablement que la télévision, c'est le miroir de ce qu'ils sont,
alors que finalement c'est un miroir amplifié et déformant, donc c'est pas la réalité. Mais mine de rien, ça leur donne l'impression que tout le monde est moche, que le monde est foutu, qu'il n'y aura pas de solution. Et donc les conséquences sont très graves, parce que si les gens n'y croient plus, comment voulez-vous qu'ils décident de se lever de leur fauteuil pour essayer de bâtir un monde meilleur ? Donc voilà, j'ai ce déclic là, et en même temps un déclic personnel, c'est-à-dire j'ai toutes les valeurs de mon enfance qui remontent à la surface. Et c'est vrai que j'ai eu une enfance un petit peu particulière, dans une famille où on était une vingtaine d'enfants adoptés du monde entier, et où finalement les valeurs de partage, de solidarité, d'amour, parce que j'ose dire ce gros mot-là, et ben c'était pas des concepts pour nous, c'est véritablement ce qui nous a sauvés. Et donc voilà, ces deux prises de conscience-là ont fait une espèce de big bang dans mon cœur, et j'ai réalisé que aujourd'hui, je voulais mettre au service de ces valeurs mes compétences professionnelles accumulées au fil du temps. Et là, j'ai tout fait basculer. J'ai quitté M6 du jour au lendemain, et puis j'ai eu cette idée donc du projet Imagine, cette idée de me dire, si les médias passent leur temps à montrer le pire, moi je vais montrer le meilleur. On pourrait croire que quelque part, c'était pas forcément très raisonnable, c'est-à-dire que j'aurais pu faire aussi en parallèle, mais je trouvais que j'avais besoin d'être plus radicale dans mon engagement. Je ne pouvais pas critiquer le système, en même temps être dedans et essayer de créer quelque chose de nouveau. J'ai passé un an de désert avant de réussir véritablement à mettre en place le projet Imagine. Et je ne m'y attendais pas du tout. Pendant un an, ce désert-là a été un vrai sas de nettoyage. Nettoyage intérieur, où j'ai pu reconnecter avec qui je suis vraiment, comprendre ma valeur, et ma valeur va au-delà de ce que je fais. Je suis, tout simplement. Et ceux pour qui ça ne suffit pas, tant pis pour eux. Et donc j'ai dû me réconcilier avec moi-même, au-delà de ce que je peux paraître, etc. Et donc, ce n'est pas quelque chose de facile. Et on se le prend un peu en pleine poire, mais on en sort grandi, renforcé, parce que finalement, après, eh bien, effectivement, c'est plus parce qu'on pose un regard sur vous, comme ci ou comme ça, que vous vous lancez dans l'aventure, c'est véritablement parce que vous y croyez. Un pays comme la France, qui est tellement bourré de forces vives, hyper talentueuses, d'un dynamisme incroyable, il y a un nombre incroyable de bénévoles en France, de gens qui ont envie de faire des belles choses. Il y a quand même plus de braves gens que de gens super mauvais, ça c'est la vérité. Et donc en fait, si on se disait, ok, puisque de toute façon le modèle économique tel qu'il existe fait qu'aujourd'hui on ne peut plus tenir cette course, on va changer de paradigme. Et en fait, à ce moment-là, va s'ouvrir à nous plein de choses. Alors bien sûr, au début, certainement, les marchés ne seront pas contents, on aura peut-être de la pression, même politique, etc., de l'extérieur. Mais au bout d'un moment, si vraiment on tient droit dans nos bottes et on dit, nous, on essaye d'être écolo, on essaye d'être solidaire, on essaye de faire une économie comme ça, qui, au lieu de pourrir la planète et de l'exploiter jusqu'au bout, la cultive, etc., ce nouveau modèle, je suis sûre qu'il va en inspirer d'autres. Et quoi qu'il arrive, ça veut dire qu'on aura changé le curseur. Finalement, qu'est-ce qu'on a à perdre ?